Yesterday was a day like always. Of course you argue when it usually swallowed her tears. Bonjour tout le monde, bienvenue pour Minecraft FR saison 3 épisode 29 en mode hard. Donc comme d'habitude je suis en hard, d'ailleurs je vais remonter mon son, je me rappelais plus que je l'avais baissé. Hop là, je vais y arriver, tac. Alors avant toute chose, avant de commencer les amis, depuis ce matin sur ma chaîne, je me suis levé de bonne heure, je vous ai mis mon pack HD Craft que j'ai modifié pour la saison 3 à télécharger en lien direct sous les profils. Vous allez voir, je l'ai appelé le HD Craft Gérard Mixte. Vous allez voir, j'ai modifié pas mal de choses dedans. J'ai modifié la cobble, j'ai modifié les trois textures des arbres, j'ai modifié les briques parce que ça me cassait les yeux l'original. Donc après, je sais qu'il y en a plusieurs qui me l'avaient demandé, donc vous l'avez. Je vous ai aussi mis le MC Patcher qui va avec, hein, parce que je sais qu'il y a certains MC Patcher qui font bugger certaines textures, donc celui-là vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le même que moi, donc vous êtes sûr qu'il marche, hein, je joue avec, donc il n'y a pas de souci. Alors, déjà, commençons, il faut que je finisse de m'équiper, je vais prendre mes flèches, hein, j'ai oublié de les prendre hier, je ne me suis pas crafté plus de flèches, j'étais persuadé de m'avoir crafté des flèches hier, donc c'est pas grave, on va les faire aujourd'hui, excusez-moi. Alors, il faut que je me prenne un arc aussi, sinon ça ne sert à rien mes flèches. Hop là, il y a un mec qui se fait exploser dehors. Hop, alors, oulala, ça pète dehors. Voilà, 13, bon, c'est mieux que rien. On va pas se plaindre, ça, le reste, on s'en fout, on en a pas besoin. Et oui, j'en avais vu 4 qui traînaient ici, super. 17, c'est mieux que rien, on va pas se plaindre. Alors, il me faut quoi? Il me faut ma boussole aussi. Comme ça, on n'a pas besoin de poser des repères, on sait où rentrer, on peut y aller les yeux fermés, se balader n'importe où. Moi, je préfère ça. Par contre... j'ai plus d'or, bon c'est pas grave les amis, hein. Y a pas de stress, on s'en fera dans la caverne tranquillement. Allez, on dort et on y va, on part explorer aujourd'hui, je vous le rappelle, il me manque un donjon, il me manque 9 diamants, il me manque 10 lapis pour terminer mes défis de minage, on va essayer de se les plier dans cette caverne, espérons en trouver une grande. Hein. Alors, hop, ok, allez, je vais repérer d'en haut s'il n'y a pas des copains qui m'attendent devant ma porte, comme souvent d'ailleurs. Apparemment, il n'y a personne. S'il y a un maudit voleur. Oh, purée. Qu'est-ce qui m'a piqué, le bazar? Il y a un scientifique. Tu m'as piqué quoi, toi? Qu'est-ce qui m'a piqué? J'arrive pas à voir. Ah, il m'a piqué une pioche. Une pioche en métal. Je m'en fous, je vais le laisser faire. Ça lui fait plaisir. Je vais lui donner. Je vais lui laisser espoir. Il a gagné aujourd'hui. Allez, je le laisse tranquille. Ça lui fera plaisir au voleur de temps en temps. Bon, je sais, hein, il s'en fout parce qu'il me répondra sûrement pas. Mais bon. Allez, on va aller voir ce petit bâtiment. Vous me l'avez demandé hier. Je sais aussi qu'on me l'a demandé depuis plusieurs jours. Je n'y suis pas allé. Je suis désolé, j'ai oublié. Donc on va y aller aujourd'hui. Alors, il a l'air d'être assez grand ce bâtiment. Vu qu'on va par là, c'est le chemin de manière. J'entends un gobelin. Et voilà où il est le gobelin. Dégage-toi, maudit gobelin. T'as rien à faire là. Attends, je te laisse travailler, ah, vas-y, je t'en prie, passe. Allez, voilà. Alors, un petit enclos, je pense qu'ils vont y planter du blé là-dedans. Un lieu de stockage. Donc c'est dommage qu'ils font ça en bouse, hein, les murs. Dommage, quand même. Oula. Allez, c'est pas grave. Il n'y a personne, on y va. Donc, d'accord, donc je pense, à mon avis, c'est joli ici. Je vais vous éclairer un peu les amis parce que c'est assez haut. Je sais pas si vous y voyez clair. Je mets des torches pour vous. Ah bah elle en mettait la nana, mince. Alors voilà, donc c'est assez haut je pense. Bon, ça ressemble à un enclos à cheval ou des écuries, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils vont y mettre là-dedans, on verra bien. Sympathique, dis donc, ça commence à bien se grandir le village là. Donc y a personne, c'est bien. Allez, nous on continue, donc très joli petit bâtiment. On verra ce qu'elle y fait dedans après, plus tard, par la suite. Oula, reviens là toi. Voilà, je récupère de la bouffe, un max purée. Maudit nain. Allez, dégage. Laisse-moi tranquille. Je t'ai pas demandé de m'attaquer, toi. Alors, nous, on part par là-bas.
On va découvrir un peu ce côté de la map, je n'y suis absolument jamais allé. Donc c'est bien le désert, on va un peu mourir de soif aujourd'hui, hein, avec la chaleur et tout. Hop, une petite cavité comme ça. Intéressant. D'ailleurs, je vais me faire un peu plus de torches tant qu'à faire, comme ça je les aurai déjà faites. Hop, voilà, super, je suis blindé. Je suis paré à aller vers les néants, hein, vers les ténèbres, vers le centre de la Terre, pour récupérer de l'or, du diamant et tout ce qui traîne hein, au fond d'une cavité. Allez, viens me voir, toi, maudit gobelin. Je te terrasse. Alors, un chien. J'en vois pas souvent, en ce moment, des chiens. Ouh là là. Il y a des lézards qui lancent des boules de feu. Je vais pas trop m'en approcher, parce que bon... Bon, c'est ces lézards, ce qui est pratique, c'est qu'ils donnent des côtelettes une fois morts. Donc, il y a un clodo là-bas. Il y a un voleur. Ils font bien la paire, les deux, là-bas. Alors... Oh purée, il y a un chaman, mince. Ah, je les aime pas ceux-là, mais bon, c'est pas grave, ils me font pas peur. On y va. Ouh là 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 là. Bon, faut que j'assure là. Il y a pas mal de gobelins, il y a un chaman qui se rapproche, mais il m'a pas vu. Je vais contourner la tour du scientifique, j'ai pas envie de l'alarmer, lui. Je préfère alarmer les quatre gobelins que le chaman. Oh là là, regardez-moi ce travail. Bon, enfin bref. Allez. Qu'est-ce que j'ai récupéré comme connerie? Dégage toi, fous-moi la paix. Allez, nous on part par là. Il y a un lézard, mais c'est pas vrai. Bon, allez, on va y faire face, on s'en fout, c'est pas grave. Je vais pas mourir de toute façon. Enfin, j'espère pas, du moins. Désolé, j'ai eu un petit lag, mais ça charge, donc c'est un peu normal. C'est pas fini de charger encore là. Allez, on y va. On continue. Le lézard, il va m'exploser la tronche en passant, vous allez voir. Faut que j'y fasse gaffe. Hop! On s'en va. Purée, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Oh là là, il y a un autre chaman. Oh là 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 là. Là, ce matin, il y a du monde. Bébé momie. Ah oh, purée. Ah oh, purée, il m'a piqué mon épée, l'enfoiré, ça recommence. Il se fout de ma gueule, j'y crois pas. Ah là, je me suis pris deux gros fails d'un coup là. Une hache et une épée. Super. Et tous les ennemis qui traînent autour. Purée, c'est pas vrai. Tu fous de ma gueule, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, l'autre il s'est barré avec mon épée, je suis vert. Deuxième fois qu'on me tire mon épée, les amis, hein, vous êtes témoins, purée. Je me barre. Ok, il faut que je me trouve un coin tranquille pour me crafter une épée en pierre. Et oui, hein, on va revenir à la pierre, j'ai pas de chance. Dès que je trouve du métal dans une caverne, j'irai m'en crafter une autre épée hein, en métal. C'est pas grave, hein, les amis, ça arrive, c'est le jeu, c'est comme ça, faut faire avec. Il y avait du monde, de toute façon, j'ai pas pu y échapper. Il y a tellement de voleurs à la ronde là. Donc je vais monter en l'air. Hop, hop, hop. Normalement, je suis tranquille et peinard ici. C'est bien. Allez, je suis désolé, on va perdre un peu de temps avec ça, mais j'ai pas le choix, j'ai plus d'épée. Je vais me poser une table de craft par là. J'ai même pas de cobble sur moi. Putain, super. Génial. Bon, bah écoutez, pour se dépanner, on va être obligé de retomber au bois. Comme quoi, hein, le bois, c'est très pratique. Voilà. Archivement, time to strike. D'accord. Je vais récupérer ma table de craft, hein, ça va toujours me servir. Voilà, c'est pas grave. Le bois, ça tue aussi, mais plus longtemps. Ça met plus longtemps à tuer. Allez. Aïe, 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 c'est pas le meilleur chemin pour descendre encore une fois. Allez, on va par là, nous, on va par là-bas, j'ai pas envie de rester sur le désert. Il y a l'air d'y avoir une cascade et une jolie cavité d'ailleurs là-bas. Vraiment une belle map hein, quand même cette map. Il y a vraiment du potentiel de construction, c'est énorme dessus là. Hop. Aïe aïe aïe, ça va laguer là, ça charge. J'en suis désolé d'avance. Je vais avancer doucement, je vais laisser le temps de charger tranquillement. Purée, encore une bébé momie. Les rires que vous entendez, c'est ça, c'est la bébé momie, les rires d'enfant là. Il y a une cavité avec rien au fond. Oh, c'est très joli par là d'ailleurs. Allez, oh là là, c'est horrible. Regardez-moi ce monde qui a sa pollule de cochon par là. Dégage, t'avances pas de moi, toi. J'ai pas les moyens de te tuer. D'ailleurs, donne-moi ton épée. Super. Allez, on échange. Ce sera toujours mieux.
me suis fait mal bêtement. Oh là là, c'est horrible ces lags quand ça charge comme ça. Bon, je suis content, il m'a pas tiré ma pioche en diamant au moins. Les épées, c'est pas grave, hein. Du métal, il y en a partout. Monsieur Coin. Alors, il y a des cavités, donc on va aller faire un tour par ici. Je pense qu'on est pas trop mal par là, regardez-moi ça. Il y a une entrée ici, il y a un tunnel là-bas, il y a une entrée là. Je pense qu'on va aller faire un tour là-dedans. Allez, c'est parti avant la nuit. Il est 15h30, hein, donc ça risque d'être la nuit dans pas longtemps. Oula, d'accord. Allez, c'est parti. Explorons les ténèbres. Excusez-moi, quand je parle pas, c'est que j'écoute les sons, hein, désolé. C'est 40% de la survie dans une caverne, les sons. Donc là, c'est une sortie. Donc forcément, j'ai qu'un passage. Donc, je peux pas me perdre pour l'instant. Ben, c'est deux sorties. Bon, ben d'accord, au moins on est fixé. Je suis où, là? Que je prenne mes repères, d'accord. Je suis de l'autre côté de la cavité. D'ailleurs, il y a un trou dans la cavité, là-haut. Intéressant. Je vais aller voir celui-là. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne là-dedans. Il y a un autre passage. Il y a un trou derrière moi, donc il n'y a qu'un passage aussi possible ici. Il y a du métal. D'accord, ça commence bien. Je vais pouvoir me recrafter une bonne épée. Gauche et droite et en haut. Il y a trois passages possibles, les amis. Donc je pense que j'ai trouvé un départ de caverne. Je vais me boucher l'arrière-plan. Enfin, l'arrière-plan, le derrière moi, pardon, excusez-moi. On va boucher ce passage, comme ça je vais pas prendre de risque dans mon dos. Ça c'est ma hantise, ça, de me faire planter dans le dos, j'ai horreur de ça. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Maintenant c'est terminé. Mais merde, j'y vois plus rien. Hop, voilà. Donc là, c'est la sortie. Il y a du terreau, mais bon, le terreau, je pense que j'en ai assez, hein. J'ai pas besoin d'en prendre. Je vais explorer un peu le potentiel qu'il y a là, tout de suite, avant de partir en haut. J'ai l'impression de voir du jour là-bas. D'accord, c'est une autre sortie, donc c'est très bien, avec du métal. Pas d'alarme. Je vais la boucher aussi, on va faire pareil, pour être vraiment peinard. Espérons que ce soit pas un cul-de-sac, par contre, le reste. Sinon, j'aurais fait tout ça pour rien. Allez, donc là, c'est mort. D'ailleurs, je vais récupérer le métal tout de suite. Vous voyez comme quoi rien n'est perdu dans Minecraft. Donc on récupère toujours tout. Maudit voleur. Je les adore, ces mobs. Ils sont marrants. Attendez que je me fasse attention là, qu'on ne me tombe pas sur la tronche. Je vais aller voir là-bas déjà. Putain, j'entends marcher. Non, ça doit être au-dessus de ma tête. Allez. Donc là, il y a une cavité. Ça descend. D'accord. Je vais me la garder pour plus tard. Je vais aller voir en haut. Super, je vais pouvoir tout me refaire en métal. Ça, c'est bon, ça. Hop. Enfin, je récolte aussi du charbon parce que je n'ai plus de torche. Je n'ai plus de charbon, d'ailleurs. Je me suis crafté mon dernier stack de charbon sur moi. Hop. Super, c'est une sortie et c'est la nuit, ça tombe très bien, je vais l'enfermer. Donc là, je suis vraiment enfermé dans la caverne, ça va être mieux. Plus sympathique pour faire ce que j'ai à faire, je suis tranquille. Oula, hop là. Voilà, là je suis vraiment peinard. Plus personne qui peut m'atteindre, il n'y a qu'un passage possible à aller. Donc on va y aller tout de suite, je récupère ce métal. Bien, j'ai récupéré beaucoup de métal rien qu'en début de grotte. Donc je pense que ça promet beaucoup de minerais dans cette grotte encore, hein, parce que rien qu'au début de cette grotte j'ai trouvé déjà 16 de métal. Donc j'espère, on va croiser les doigts les amis. Mais je vous le rappelle, il me faut 10 lapis-lazuli, 9 diamants et un donjon pour finir mon défi de minage. Donc ce serait bien que je les termine. Allez, il me reste qu'un passage par ici. On va y aller tout de suite. On va jeter un œil ensemble. Hop. Ça continue, j'ai l'impression. J'y vois trop rien là-bas, c'est un peu sombre. Merde, c'est un cul-de-sac. Bon. Je vais quand même creuser un peu parce qu'il y avait trois veines hein, dans cette grotte quand même.
Il y a du charbon, donc quand on trouve du charbon comme ça, c'est peut-être bon signe. Soit c'est un cul-de-sac complètement, ou soit ça débouchait sur une autre veine en dessous. C'est possible, donc je vais quand même tenter, hein. Ce serait bête de partir et pas d'essayer. Je vais faire des marches pour descendre. Hop. Voilà. Je vous mets une petite torche, excusez-moi, je l'enlève à chaque fois, moi, les torches, quand je mine. Hop. Alors, ça tombe bien, il m'en faut du charbon aussi, les amis. Donc, on n'a rien perdu dans l'histoire. Hop, espérons, on va croiser les doigts. Mais bon, généralement, j'ai un bon pif, moi. Et qu'est-ce que, putain, qu'est-ce que je vous avais dit? Aïe, 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 aïe. Il y a un creeper. Bon, bel accueil déjà. Oh, putain. Pop, 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 pop. Bon, c'est bien, tu m'as pas fait mal. Il y en a un deuxième d'ailleurs. Bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas, mon creeper. Laisse-moi le temps de poser une torche. Ne bouge pas. Je vais y aller doucement. Pour pas l'énerver. Allez. Pète derrière ton mur. Putain, viens pas. Viens pas. Allez, fous-moi la paix. C'est bien. Ouh là là. D'accord. Ben, bel accueil sur un trou monstrueux. Que demander de plus? C'est ce que je voulais. Donc ça tombe très bien. J'ai bien fait d'essayer de casser en bas. Comme quoi, des fois, on a de belles surprises. Donc, je suis content. Je suis pas descendu pour rien. Je me suis pas fait péter un creeper à la tronche pour rien aussi. Donc c'est bien. J'ai récupéré du charbon. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais éclairer légèrement devant moi et sur les côtés. Je vais poser mon four parce que bon, de toute façon, j'arrive à la fin de la vidéo là. Je me recrafterai une épée, tout ce qu'il faut en métal pour être en meilleure forme pour pouvoir explorer cette caverne avec vous, les amis. Parce que là, avec ma pauvre épée en pierre, je vais pas aller loin. D'ailleurs, il y a du métal partout, donc c'est très bien. Encore du métal. Toujours du métal. Il y a du métal derrière moi encore. Comme quoi, on en trouve partout du métal. C'est impressionnant. Tant mieux, hein. C'est ce qu'on utilise le plus, de toute façon, dans Minecraft. Sur un cul-de-sac. Bon, ben, c'est très bien. Passage, il va être condamné dans pas longtemps. Je minerai après, hein. Je vais juste éclairer un peu. Quoique, non, je vais miner tout de suite. Comme ça, c'est fait, je le condamne. Je récupère un peu mes torches. Il n'y a rien à prendre là-bas. Il est là. D'accord, j'ai que là. Ok, allez, on mine un peu. Pas mal de charbon là-bas encore, donc c'est très bien. Hein, ouais. Bon, c'est session minage. Hein. Bon, je suis là pour ça, de toute façon, dans une caverne. Je vais ramasser un peu de pierre pour le village, parce qu'ils vont m'en demander, j'imagine, bientôt. Oh, j'ai pas vu ce métal là-bas. C'est du métal. Je vais en bouffer dans cette caverne, j'imagine. Hop! Allez, je vais récupérer un peu de torches pour économiser mes torches. Et je vais boucher ce passage. On va le boucher à l'arrache, c'est pas grave. Voilà. Passage condamné. On n'en parle plus. Alors, j'ai deux choix, le gros ou le petit. On va d'abord aller voir le petit là-bas. Il y a un mec qui vient de mourir. Alors, est-ce qu'il est dehors ou est-ce qu'il est à l'angle là? Ça, on va le savoir tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. On traîne pas, ça sert à rien de s'endormir sur son sort. Il y a un démon. C'est pas comme ça que les choses avancent. Ok, il y a un autre passage derrière tout ça. Je le ferai après parce que là je vais plus avoir trop le temps. Ça va être la fin. Je vais vous éclairer pour qu'on découvre ce que. À quoi demain on va jouer. Enfin, sur quoi on va. Ce qu'on va explorer, pardon, mais je vais y arriver aujourd'hui, dis donc. Excusez-moi, hein. Et des jours comme ça, on s'embrouille. D'accord, c'est un énorme trou, beaucoup de métal encore, du métal là-bas, beaucoup de charbon, donc c'est bien. Ça promet d'être une belle grotte, on vient d'entendre un démon. Je viens d'ici, moi d'ailleurs, faut vraiment que je me marque mon lieu. Je vais pas marquer mon lieu, je vais m'enfermer là-dedans. Pour me chauffer tout. Ah, mais j'ai pas de pierre d'ailleurs. Faudrait que je me ramasse un peu pour me faire un four. Voilà. Là, je suis tranquille. Je vais pas prendre de risque. Le temps que je cuis mon métal. Les amis, je pense que ça va être une bonne grotte, hein. Y a pas mal de choses, pas mal de passages, il y a des bruits partout. Donc écoutez, moi je vais rester ici. Je vais poser ma table de craft, hein. On va se la mettre ici. Se faire une petite base, on récupérera bien sûr tout ça demain. Hop, petit four. Et je vais cuire ma bouche, j'en profiter d'ailleurs, comme ça va me permettre de la stacker.
Voilà, je pose mon métal. Deux petits charbons. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée. Je vous retrouve demain pour la continuité de l'aventure, hein. Bon jeu, tout simplement. Allez, ciao ciao!